Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Agatha Raisin Cache-Cache à l'hôtel. Je l'ai fini dans le 14 janvier. En fait, James, Agatha et son ex-mari, enfin, lui il invite Agatha au bord de la mer et ils vont trouver en fait un mort sur la route, sur leur chemin pendant leurs vacances. Et elle va faire appel à son ami, à Charles. Et James, lui, il va vouloir continuer leur voyage. Lui, il lui dit à Agatha, ouais, tu sais, tu devrais laisser Charles s'en charger. Nous, on va continuer et tout. Et elle dit, non, non, non. Elle veut faire son enquête, puisqu'elle est enquêtrice. Et du coup, James, il l'abandonne un peu. Il lui dit, bon, bah, écoute, vas-y, bah, fais ton enquête. Et voilà, moi, je vais faire mes vacances tranquille. Ils vont faire chacun leur vie de leur côté, en fait. Et en fait, après, elle en a ras-le-bol, au bout d'un moment, vers la fin. Elle fait ses vacances, ça se passe très mal, il lui arrive toujours un truc. Voilà, ça lui retombe toujours dessus. Puis elle est fatiguée, fatiguée. Et en fait, après, elle décide de rentrer en fait, à Carsley, ou Carsley, dans les Cotswolds. Elle décide de rentrer chez elle et elle laisse James tout seul là-bas parce que, voilà, elle veut se reposer, elle en a marre, elle veut rentrer, donc. Donc voilà, donc en fait, celui-là il est bien aussi, franchement il est sympa. J'aime beaucoup le truc et c'est vrai qu'il est très très sympa aussi. Donc voilà, et là j'ai commencé il y a peu de temps là, donc hier j'ai commencé Le chat, l'art de ronronner, donc un livre du Dalai Lama qu'on m'a prêté, je vous le ferai présenter dans une autre vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.